Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la prise en charge de la ventilation non invasive sans suspense. J'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, la ventilation non invasive, pourquoi on en fait et sur quels patients? Donc, c'est sur les patients qui sont en détresse respiratoire aiguë. Ça a été classé au cours de la troisième conférence de consensus commune de la SFAR, de la SPLF et de la SRLF en 2006. Donc, il y a trois grands groupes. Il y a le groupe G1+, donc il y a un intérêt certain, on est sûr qu'il faut le faire. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, c'est l'exacerbation BPCO et l'OAP cardiogénique. Ensuite, il y a un second groupe, c'est le groupe G2+. Ce n'est pas établi de façon certaine, mais de manière générale, ça marche plutôt bien. C'est l'insuffisance respiratoire hypoxémiante de l'immunodéprimé, le sevrage de la ventilation invasive chez le patient BPCO et la prévention d'insuffisance respiratoire aiguë post-extubation. Il y en a plein d'autres, mais nous, c'est ce qu'on fait principalement dans le service, donc je vais vous parler quand même de ce que je connais. Et il y a le groupe G2-, donc il n'y a pas d'avantage démontré. C'est des situations où il faut faire une réévaluation très précoce, même si ça a un peu changé en 2020 avec le Covid, mais c'est la pneumopathie hypoxémiante et le SDRA. Donc l'objectif de la ventilation non invasive, c'est d'observer une régression des signes d'insuffisance respiratoire aiguë et de la dyspnée, et donc ça se traduit par éviter l'intubation orotrachéale sans la retarder, bien sûr, et ses complications, et donc diminuer la mortalité. Et c'est d'observer une amélioration des échanges gazeux. Le matériel qui est nécessaire à faire de la VNI, déjà il faut un respirateur, donc j'exclus tout ce qui est petite machine, ce que les patients ils ont à domicile parfois, parce que nous, quand le patient il est en phase aiguë, c'est pas ce qu'on utilise en réa, donc là je vous ai mis les deux types que nous on a à Cochin forcément. Ensuite il faut un masque, donc là c'est les deux qu'on utilise nous aussi, mais je pense que c'est ce qui est le plus utilisé parce que le plus facile d'accès et le plus facile dans la mise en place. Donc il y a le masque nasobuccal ou le masque facial qu'on choisit selon la morphologie du patient et selon ce qui est dispo parfois. Ensuite, il faut un circuit et un humidificateur. Donc, en première intention, on prend un filtre vert, le filtre HME. Et sinon, on prend un humidificateur chauffant, une cocotte pour les patients hypercapniques ou bien qui ont des durées de ventilation prévues plus longues parce que ça améliore le confort, surtout au niveau de la sécheresse buccale. Et une protection cutanée pour éviter les petits escarres avec les masques nasobuccaux. Au niveau des paramètres, leur but, c'est d'optimiser la tolérance, forcément. Déjà, c'est des modes qui sont en VS, AID plus PEP. Donc la PEP, c'est la pression expiratoire positive. On vous l'a déjà dit, c'est surtout pour le recrutement alvéolaire. Donc en général, on la règle entre 5 et 10 cm d'eau en VNI. Et après, il y a l'AID inspiratoire qui est aussi en pression, c'est 5-12 cm d'eau. Ça, c'est plutôt pour les échanges, c'est pour augmenter le volume courant du patient sans majorer son effort respiratoire. Donc juste pour rappel, le cumul de l'aide et de la PEP en VNI, il faut qu'il soit inférieur à 20 cm d'eau, sinon ça entraîne qu'on doive trop serrer le masque et donc la tolérance du patient qui dégringole. Ensuite, il y a le trigger inspiratoire, on vous en a déjà parlé, je vais passer rapidement. Donc, c'est le seuil de déclenchement d'une inspiration. En général, il est réglé à 2 litres minute, on peut aller de 1 litre à 4 litres. Ensuite, il y a la pente, donc c'est la pressurisation. 25, en général, c'est réglé entre 75 et 100 millisecondes. Pour les patients obstructifs, donc type BPCO, on les règle un chiffre le plus bas possible pour qu'ils atteignent son débit inspiratoire de pointe le plus rapidement. Ensuite, le trigger expiratoire, donc c'est le plus compliqué à comprendre, je pense, c'est parce qu'il est complètement contre-intuitif. Donc, c'est un pourcentage, je vous ai mis un schéma, donc là c'est une courbe de débit et pas une courbe de pression. C'est le pourcentage de décélération du débit inspiratoire de pointe qui entraînera l'ouverture de la valve expi. Donc s'il est par exemple réglé à 25, il faudra que le débit inspiratoire de pointe est décéléré de 75% pour ouvrir la valve expiratoire et permettre l'expiration du patient. Et enfin la FiO2 qu'on adapte bien sûr selon les objectifs de SAT qui nous sont fixés. Donc là c'est un peu tous les paramètres que je viens de vous décrire mais mis sur une courbe. Donc il y a le trigger inspiratoire, ici on voit que c'est le déclenchement, la pressurisation, comme je vous disais, qui est pour atteindre la pression maximum, le trigger expi, l'expiration, et en dessous de la courbe, il y a la PEP. Donc nous, maintenant, au niveau du rôle infirmier, le but, c'est vraiment qu'on comprenne bien le traitement qu'on va instaurer chez le patient. Ça nous permettra de lui expliquer, et du coup, lui, il est plus en confiance quand il comprend bien ce qu'on lui fait. Ça nous permet, nous, d'anticiper ses besoins et les effets indésirables de la VNI. On l'installe, on le rassure, et ça entraîne une adhésion du patient au projet thérapeutique. Notamment pour la première séance, parce que si elle se passe bien, le patient il va avoir confiance. Les autres, on peut se dire, enfin, on espère en tout cas qu'elles vont bien se dérouler. En tout cas, c'est sûr que si elle se passe mal, il va faire ses 2 heures de VNI, la prochaine fois, il dira plus jamais. Je ne veux même plus en entendre parler. Donc, elle est vraiment très importante. On essaye de l'initier en binôme. Chez nous, c'est plutôt acté en général avec le médecin, surtout, parce que comme ça, il peut adapter les paramètres directement au chevet du patient. Et je pense qu'on sait tous que les patients, ils aiment bien. Il y a un petit côté rassurant quand il y a un médecin dans la chambre. Ensuite, on va bien expliquer et rassurer son patient, on va bien l'installer.
Même si, je pense que vous êtes comme moi, on aime bien en réa quand les patients sont sédatés, ils sont au carré dans leur lit à 45 degrés, assis comme ça. Donc le patient qui fait de la VNI, s'il a envie d'être au fauteuil, il va aller au fauteuil. S'il a envie d'être en boule dans son lit, le but, c'est vraiment qu'il le fasse. Donc l'installation, ça passe aussi par le choix du masque. Donc par exemple, on a tous eu, je pense, le patient qui a la grosse barbe à qui on doit mettre un masque, on se retrouve bien embêté. Donc malheureusement, parfois, on est un peu obligé de lui proposer un passage à la tondeuse. On anticipe bien les besoins, surtout des trucs comme la soif. Le patient, on vient de passer 10 minutes à lui régler son masque, et là, il nous demande de boire de l'eau. On est un peu dégoûté, donc si on lui a donné ça avant, ça se passe déjà mieux. On n'oublie surtout pas les plateaux repas, parce que c'est des patients qui sont déjà en réa, on est à risque d'être dénutris, ils sont alités. Donc c'est des trucs qu'il ne faut vraiment pas oublier. Donc ça, c'est au niveau du travail en équipe. Nous, je sais que chez nous, c'est les aides-soignants qui servent les plateaux repas. La position dans le lit, je vous en ai parlé, et la préparation cutanée. Et je mets un point, ça c'est... Pour Roxane, son combat, c'est la ventilation de l'apnée. Moi, c'est les contentions en VNI. Le recours aux contentions, c'est une contre-indication absolue. En VNI, il faut que le patient il soit compliant. Parce que je pense qu'on comprend tous que si le patient il est attaché sous son masque de VNI et qu'il a envie de vomir, ça ne va pas très bien se passer. Juste un petit point sur les escarres. Il y a eu quand même des études, donc ça prouve que c'est important. Ça vaut le coup d'en parler. Les lésions cutanées, ça augmente les risques d'intolérance et donc d'échecs. Même si le patient il n'a pas d'escarres forcément sur le nez, les points d'appui, enfin, on ne voit pas toujours que ça devient rouge. Et finalement, ça vaut le coup, entre les séances, de switcher, de faire une fois masque nasobuccal, une fois masque facial, c'est prouvé, ça augmente la tolérance. Ensuite, au niveau de l'anxiété, il y a eu une étude purement qualitative en 2018 où ils ont interrogé 16 patients BPCO qui ont fait de la VNI en réa. Et ils pensent quasiment tous que c'est efficace, mais ils ont été inconfortables, ils ont eu peur quand on lit les témoignages. Ils disent que c'est super difficile, ils avaient l'impression que les soignants essayaient volontairement de les étrangler. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut prendre son temps. Parfois, si on a une minute et demie pour poser notre VNI, ben tant pis, on fait ce qu'on a à faire avant et on prend vraiment le temps avec le patient dans la chambre. Si on peut. Du coup, au niveau de l'anxiété, il y a une étude, ils se sont posé la question de savoir s'il y avait une place pour la sédation en VNI. Et finalement, sachant que la sédation, c'était du midazolam et l'analgésie de la morphine, et finalement, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de bénéfice dans l'usage de la sédation ni de l'analgésie et que l'association des deux serait même liée à un échec. Donc moi, en tant qu'infirmière, ensuite, pendant la séance, j'évalue l'efficacité par le monitorage continu qui est propre à la réanimation, donc la saturation, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Et au niveau clinique, je dois observer s'il y en avait à l'admission une régression de la cyanose, une disparition des marbrures, s'il y en avait aussi, et l'état de conscience et les sueurs, c'est surtout pour le coma hypercapnique. À savoir que le coma hypercapnique, c'est la seule indication à faire de la VNI chez un patient comateux. Et surtout, on détecte précocement les signes d'échec, une dégradation de la conscience, une polypnée, une désaturation, et on alerte le médecin le plus vite possible. Je vous fais un petit mot sur les asynchronies, parce que c'est quand même presque la moitié des patients qui en présentent en VNI. Donc ça, c'est une étude de 2009. Les asynchronies, c'est une inadéquation entre l'inspiration du patient et l'insufflation du ventilateur, et la cause majeure, c'est les fuites. Donc les fuites, ce n'est pas du fait du médecin, ce n'est pas du fait des paramètres, c'est vraiment nous qui, c'est nous qui choisissons le masque, c'est nous qui l'installons, c'est nous qui le réglons. Donc on ne va pas dire que c'est de notre faute, mais en tout cas, c'est probablement qu'on peut faire mieux s'il y en a. Je vais vous parler des quatre principales, donc les autodéclenchements, les doubles déclenchements, les efforts inefficaces et les insufflations prolongées. Donc ça, c'est une courbe quand tout va bien. Et quand ça ne va pas bien, ça peut ressembler à ça. Donc les autodéclenchements, c'est des cycles qui sont délivrés par le ventilateur en l'absence d'efforts du patient. Les causes, c'est majoritairement les fuites ou bien des artefacts cardiaques. Ça peut arriver quand le trigger inspiratoire est réglé trop bas. Et les solutions, c'est de diminuer l'occurrence des fuites ou de diminuer la sensibilité du trigger. Hop. Ensuite, il y a les doubles déclenchements. Donc ça, c'est une demande ventilatoire du patient qui est trop importante et un temps d'insufflation qui est trop court. Donc là, les causes, c'est pas les fuites. Donc nous, on ne pourra probablement pas y faire grand-chose, mais je vous l'ai mis quand même parce que je trouve que c'est des courbes qu'on observe quand même assez souvent, que ce soit en VNI ou bien en VS chez un patient sédaté. Donc les solutions, c'est seulement de changer des paramètres, mais la solution en tant que paramètre, je pense, c'est surtout d'aller voir le médecin et de lui dire, je pense qu'il double déclenche le patient, donc viens jeter un œil. Ensuite, il y a les efforts inefficaces. Donc c'est des efforts qui sont générés par le patient, mais qui ne sont pas détectés par le ventilateur. Donc les causes, c'est les fuites, bien sûr. Un trigger inadéquat ou une surassistance, donc la solution c'est soit de mieux régler son masque ou bien d'en choisir un autre ou bien de modifier des paramètres. Et l'insufflation prolongée, donc ça c'est le plus fréquent et c'est le temps d'inspiration qui est prolongé par l'absence d'ouverture de la valve expiratoire. Donc ça les causes c'est les fuites. En fait on imagine assez bien que vu que le trigger est réglé en litres, s'il y a un litre qui part dans les poumons mais 3 litres qui part
sur la joue du patient, le respirateur, il va continuer d'insuffler parce qu'il ne va pas se rendre compte que le débit inspiratoire, il décélère, ce que je vous disais, il ne va pas ouvrir sa valve expi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait chez nous. Donc nous, à Cochin, on est un service de 24 lits. On est en 12 heures, donc on a un ratio de 50 infirmiers à peu près entre équipe contre équipe, jour et nuit. Et il y a un ratio de 1 infirmier pour 3 patients. Donc ça, c'est les données de 2019. Je pense que ça a bien changé en 2020, mais en tout cas, à l'époque où tout allait bien, il y avait à peu près 50% des patients qui étaient ventilés chez nous, 11% qui faisaient que de la VNI, et on avait un taux de conversion de ventilation invasive, donc après une ventilation non invasive, de 4%, sachant que ce n'est pas que les échecs, parce qu'il y a aussi là-dedans les préoxygénations par VNI. Donc on était plutôt pas mal sur la VNI. Donc on a pas mal de groupes de travail dans le service, donc le groupe ventilation évidemment, le groupe nuance pour nutrition, analgésie, sédation, le groupe ACR, enfin on fait, et tous les groupes de travail ça sert à faire des protocoles, toujours en vue d'autonomiser les infirmiers. Donc nous dans le groupe ventilation évidemment, au mois de septembre déjà tous les ans ça c'est propre à tous les groupes et tout le service, il y a des formations qui sont spécifiques et avec des ateliers. Je sais que dans le service, il y a, je pense, 90% des infirmiers qui ont essayé la VNI avec 5 de PEP ou avec 15 de PEP, juste pour voir un peu ce que ressentira le patient quand on va lui mettre sur le bec. Et quand on l'a essayé, vraiment, on se rend compte que c'est pas très sympa. Donc, ça permet aussi de se mettre à la place et de mieux comprendre le traitement, encore une fois. Et on est en train de mettre en place, bon, c'était déjà le cas il y a un an, mais on était un petit peu occupés entre-temps, avec la kiné de mon service, un guide de recommandations concernant les bonnes pratiques en VNI, donc qui comprend tout ce genre de choses. Et il faut savoir que c'est vraiment à la disposition de tout le monde et c'est vraiment l'infirmier qui est arrivé la veille dans le service qui va venir, qui prend le guide. Il est capable de mettre un masque de VNI à un patient. On a écrit vraiment tout le matériel, où est-ce qu'il se trouve, dans quelle réserve. Donc c'est vraiment à la portée de tous et c'est un peu plus poussé sur un certain point. C'est qu'on met en place une échelle simple d'évaluation de la VNI avec des questions de ce type. Donc avez-vous des difficultés à inspirer? Donc l'action à mener, par exemple, c'est d'augmenter l'aide ou de diminuer la pente, et on explique bien que quand on diminue la pente, on rallonge le temps de monter en pression, donc diminuer la pente, c'est augmenter le chiffre, parce que vu que les paramètres en VNI, c'est assez mal fait, c'est tous contre-intuitifs, donc juste on l'explique vraiment clairement. Donc pour conclure, la prise en charge de la ventilation non-invasive, donc la VNI, ça permet... Enfin, il faut améliorer la tolérance de la VNI pour diminuer le risque d'intubation et donc la mortalité, mais il ne faut surtout pas la retarder. Le rôle infirmier est primordial dans l'installation et l'accompagnement du patient. Et nous sommes les premiers témoins de l'échec de VNI, donc c'est à nous, c'est un peu ce que disait Maud, on est les yeux des médecins, donc si ça ne se passe pas bien, c'est nous qui allons le voir en premier, pas forcément le médecin. Et que la détection et le signalement de l'asynchronie par l'infirmier permettent d'améliorer le confort du patient. Merci à tous.